plus d'introduction, nous allons démarrer avec la petite finale nous en brackets. Abdel contre Miladea. On applaudit très fort les deux joueurs. Allez. J'ai beaucoup d'ambiance pour 2X. Donc un match combat contre les deux boxeurs. Match-up assez fermé, hein. Ouais. Très légèrement faveur de boxeur, mais c'est pas écrasant loin de là. Les deux joueurs connaissent évidemment très bien Abdel, qui a d'ailleurs remporté les deux derniers X-Mania de Stone Fest en équipe. Ouais, et il était finaliste du solo l'année dernière. Miladea, qui est aussi un habitué des bons résultats, hein, qui a souvent été parmi les premiers. Gagnant de X-Mania 1. Exact, en équipe. Ouais. Contre le boxeur de Courage, effectivement, un grand souvenir, je pense qu'on va passer dans le temps à Marcio. Et donc sur la gauche, vous allez avoir Miladea qui va jouer à Honda, au maquillage vert et au Mawashi rose. Et sur la droite, Abdel qui va jouer à un boxeur normalement orange. Alors ça change de couleur maintenant. Non, il reste sur les deux. C'est parti. Je sais pas, je crois qu'il y a encore un petit réglage avant. C'est pas encore, c'est pas encore ça. Notre invité de Firewall vérifie un dernier détail. Et on va finir par l'avoir notre top 4 de 2X. Désolé hein, pour le long retard sur lequel malheureusement on ne peut pas faire grand chose. Mais ça change de temps. Allez, ça gap check. À défaut de bouton check. Et c'est vrai, c'est ok. C'est vrai, le joueur. Allez, Abdel. Je vais probablement jouer boxeur en orange comme à son habitude. Il est avec, comme je disais, son Honda maquillage vert. Et ça va être parti pour la petite finale loser. On va s'applaudir encore. Celui qui remporte ce match garanti de finir sur le podium ce soir. Celui qui perd, étant donné que c'est un match de loser bracket, on va dire la dernière. Son parcours se termine. Très classique de la part de Daniel qui est disparu. Bon avantage pour Abdel, vous avez fait. Là, ça permet de faire un safe critique de Dash Low. Je vais très aider pour arrêter. Allez, concentration de l'année. Attention, oui, bien joué. Bien sûr, les belles forces, c'est qu'il fait des points. Bien joué, les mêmes trappes, les mêmes décalées. Ouais, préfère pas. De temps en temps, ça se fait. Allez, bien joué. Peut-être dans les couilles du monde. Faut pas attaquer comme ça, Wendbutt, parce qu'il y a tout le temps de. Enfin, tu peux tout le temps te faire avoir par boxeur. C'est vraiment très difficile hein, d'entrer dans la défense de boxeur. Allez, deux autres, côté Abdel qui est assez impeccable, encore de 1 dessus de ce machin de PC à distance. Pour l'instant, la défense est sans faille. Par contre, il encaisse des grands mines, ça fait des bons petits dégâts quand même. Donc, ça confère un petit avantage à Miladea. Mais là, le boxeur est quasiment un super play. Possibilité de position, possibilité de s'extirper de fin de jeu. Pas de spell encaissé. Ce qu'il y a, c'est que maintenant que Katia l'a super, ça va être vraiment chaud là. Alors, c'est ce match medium kick. Bien joué, le champion en ligne. C'était un peu dévoilé, mais ça passe, bien joué. Devant, derrière, balayette. Et là, c'est gros avantage pour il n'y a pas assez pour gratter la tête. Très bien pour Milan Rodin. Oh, pourquoi il encaisse ça? Et bien joué. C'est vraiment avantage, donc je crois qu'il y avait 600 en fait. Allez, premier match pour Abdel dans cette finale, nous avons un braquet dans cette partie. Ah, c'est bête, ouais. Là, il y a un autre match. Bon coup de l'avant. Bon, par ce match. Allez, là, c'est parti. C'est la fête des Dash Go infinis. Bien joué, bon mouvement. Quasi statico, petit avantage de Miladea. Attention, il avance bien, c'est du match, parce que ça je me prends ce match. Un peu un choc. Attention! Allez, au cap de pied! Et donc, la
Et ça montre bien que voilà, le match-up est très serré. Très serré, très indécis. Les deux joueurs se sont souvent fait 10%. Là, cette fois-ci, ils sont adversaires. Allez, sa zone directe. Il va encaisser. Le bon point encaissé. Les tirs de l'éliminateur et l'éliminateur total. Bien joué, Dachlo. Qui fait deux touches. Oh, il peut être fait pour les flics sur le ciel de ce match. Allez, encore Dachlo. La zone est bon. C'est très démoralisant pour moment-là, ouais, Boxer, il a juste là, en fait, à défendre parce qu'avec la lance qu'il a, c'est pas la peine d'aller attaquer. En fait, Boxer, bah, ouais, de pourrir des DLP comme ça, il a joué, il a super, attention de grattage, et ah, ça il ne pouvait rien faire suite à sa nouvelle. C'est le match. À partir du moment quand même où Boxer a l'avantage, c'est très difficile pour ça, je trouve. Exactement. Surtout que Boxer peut maintenir sa charge arrière, en fait, ouais. En pourrant les LP comme ça, dès qu'on a sauté, en fait, il y a un dash over en position. Dès que l'on a fait quelque chose pour casser sa charge, bah, c'est Dachlo. Ouais. Il donne un peu d'espoir. Déjà avantage encore, mais la tête peut revenir facilement. Et il a super en position anti-air. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est toujours ça. Un petit tour en garde, et là, ça va être dur, ça va être dur. Grosse avance pour Abdel. Là, alors, moi, on double touche, c'est la fin. Et c'est ce qui est arrivé. Double touche. Bravo Abdel. Pour Abdel. Et la dernière finie, quatrième de ce Stockfest 2016, on applaudit très fort, belle performance. Et nous allons maintenant assister à la finale winner bracket de folie qui va opposer Onuki, qui nous vient du Japon, face à Max Trotter. Grosse finale en perspective. Onuki, un des meilleurs joueurs de Shiny du monde, le deuxième même probablement après Okocho. Et puis surtout, là encore, un match-up un peu, je dirais, exotique. Hein. J'aime bien ça, ouais. J'aime bien ça. Alors, d'un point de vue strictement théorique, c'est un match-up de 6-4 pour Chevy. Ouais, mais c'est théorique. Il n'y a plus de Chevy, ou pas jouer contre Chevy. Mais Max, c'est un maîtrisement très bien de match-up. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de match-up. Ouais, désolé, on n'a pas de chance. Ouais, on peut laisser Max prendre sa cavée et tuer le boxeur pour que Boki puisse prendre sa chaîne fétiche. Ce n'est pas le match à qui vous assistez, c'est simplement. Parfait. D'abord, vu le positif du boxeur Mandel. Ça fait des bons combos. Petite démonstration de skill. Et notre Max. Il va avoir fort à faire, hein. C'est un des meilleurs joueurs mondiaux. Après, Max est un des meilleurs joueurs européens, donc il peut faire ses chances. Bon point vraiment. Et c'est parti, allez! Grande finale, pardon, finale winner de ce Stockfest 2016. Max 31 sur votre gauche face à Onuki. Kami contre Shani, duel féminin. On encourage très fort Max qui a fort à faire avec Onuki mais qui a vraiment ses chances. Ah, direct le Onuki a réussi pour l'attraper. Grosse down shop sur cette phase de saut. Allez, ça se met pas mal côté chez nous. Toujours faire attention à avoir le LP facile au cœur de l'enquête de l'usage. Le match change en fait à partir d'ici. Une chenille à la semaine. La super chenille aide beaucoup dans la chenille, ça s'assure sur la tête. Et là, c'est parti. Maintenant, on se bien joué. Premier round pour Max. Une mise à terre pour chenille. Et c'est extrêmement difficile après parce que Camille peut lui casser ses charges. Un set jump off. Allez, bien joué. Stop. Ouh, pas de stop. Il a été fait pas un moyen point. Il y a une shot sur la piston. Le Kami n'a pas la part de stock, la plus importante, qui est la plus importante du jeu. Allez, ça démarre pas mal pour Loki. Bon HK à entière et décalage shop. Très bon. C'est deux des personnages du jeu qui marchent le plus vite, donc les décalages shop sont légion dans ce match-up. Et donc c'est en toute logique que Loki revient à un rôle partout. Il est parfait, c'est un petit avantage Loki maintenant. Par contre, il est dans le coin, de son variation. Alors là, il essaie même pas de casser le Loki, il fait simplement un saut pour se barrer. Bien joué, il varie un petit peu les. Une vitesse de boule pour que Max se surprenne sur les solatitos. Mais disons qu'en fait, Camille doit forcément presser Sean dans le coin pour qu'elle ait l'avantage. Voilà, en fait, dans la limite speed, c'est très riche. Je sais pas si vous voyez un peu ce très particulier, c'est que Mickey, il avance dans ses kick token. Ouais, ouais. Il fait un coup de poing en avant, c'est très très puissant. Ouais, pour garder cette pression. C'est pas énorme. Pour ne pas perdre l'avantage positionnel, en fait, c'est quelque chose qui fait beaucoup dans les match-ups comme Honda par exemple. Là, il fait carrément un coup de poing en avant, il fait sa boule. C'est très très bonne utiliser son charge. Donc Doji remporte ce match.
et se rapproche de la grande finale de ce tournoi. Allez, Spiralaro, d'entrée à une distance non plus conservée. Cross down shot à nouveau. C'est peut-être une des meilleures solutions de Chani, hein, qui ne peut pas très facilement en tirer à Camille. Donc du coup, en fait, parfois le cross down est la meilleure option. Allez, bien joué, saut vertical, conservation de charge pour feinter la Camille. Pour provoquer le pot qui est plus immédiatement avec cette super. Et c'est la double balle de Max Bouki. Allez, c'est pas facile pour Max. Pourtant, il connaît très bien le match-up de Chani. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il s'en tire vraiment très bien pour vos amis qui pourtant sûrement la bien joué de l'Europe. Le shop est échappé, oui, bien joué, vraiment décalé dans ce stade moyen point. Allez, c'est bon ça. La victoire du round de par Max 31. Qui me permet de reprendre un peu d'espoir dans cette finale winner. Alors qu'on va voir en train de lâcher, c'est un peu difficile pour choper les joueurs. Allez, bien joué, le petit Chorio qui empêche la chaîne de se marrer. Très bonne position pour Max. Oh, Air Shot, ça c'est démoralisant, c'est très bien joué. Par contre, là, il a lancé. C'est pour lancer un cross-up. La garde est bonne côté multiple, par contre, les sprint shot. Ah, oh là, c'est magnifique. Encore un dragon, elle est très bonne, hein, très bonne position. Encore un dragon décalé, peut-être même un option select, je ne sais pas. Là, c'est quasiment fini. Match partout. Dès qu'il avait dans le coin, c'est la seule. C'est l'enfer, mon chat. En plus, avec ses dragons qui ont énormément d'avance, ça a tendance à rattraper un peu les sauts de repli de Chani. On l'a noté qu'il a carrément essayé de casser un winner avec un HK, il est passé à travers. Allez, bien joué, ça, le dragon sur le reflecteur. Les dragons de Camille qui sont rarement punissables par Chani, c'est très énervant. Allez, bien joué, HK entière, ça c'est très bon, ça fait pas mal de dégâts un peu sur elle. Allez, bonne distance trouvée par l'outil, hein, qui n'arrive pas des MK qui veut bien ralentir. On a de la chance, Max qui l'a super touché. Ah. Et malheureusement, la shop qui fait beaucoup de dégâts. Le cœur malheureux, deux balles de match à l'outil. Allez, Max qui se montre incisif et offensif. Bien joué, dragon anti HK, c'est magnifique. Une fois qu'on fait un peu flipper l'adversaire avec des dragons, là c'est bon, on commence à mixer avec des lumières, mais alors là par contre, l'outil qui va lui faire la ronde, les deckbreakers infinis, on va quasiment égalité, plus d'avantage max encore pour le moment. Allez, round remporté par Max, et c'est donc le round final de cette finale winner. Celui qui remporte ce round, à part un gros game, verra la suite du tournoi en winner bracket, c'est-à-dire en point final. Ah là là, choc pour Corée, mais par contre, choc de choper de Chani. Bien joué. Bien joué, c'est serré, ouais, petit avantage pour Max. Ouais. Ah là là, c'est pas bon, c'est pour encaisser les Chani, maman, c'est super. On prend un avantage pour les Chani. C'est une boîte, on peut lâcher. Et donc, on a choc, bien joué. Luki se laisse pour faire croire à un coup, et en fait, il avance. Et je victoire de Luki, félicitations. Bravo, Max. Et donc le tournoi va continuer sur un Max 31 versus Abdel. Ils se sont déjà affrontés dans le tournoi. Max 31 avait eu une position de justesse. Oui, parce qu'en fait, pareil hein, sur Boxer Camille, en fait, normalement, Boxer a clairement l'avantage, mais c'est pas si facile que ça. Parce que vraiment, sur un seul vortex, en fait, Camille peut tuer Boxer. Et c'est pas une seule place, mais presque un passé rare, ça sur Boxer. Le Boxer Camille. Les crossups sont très bons et tout en plus, une fois qu'elle a cassé la charge de crossup, elle peut vraiment parler entre à la fois les Hooligans et les Spiral Arrow pour casser les startups de saut en fait. Il faut avoir vu en fait le match qui a déjà eu lieu hein, entre Max et Adèle. En fait, juste au Balka, il a raisonné et juste avec ça, déjà c'était les crossups. Et oui, aussi ce stade MK qui casse. Il y a plusieurs options en fait pour Camille. Allez, c'est en fait les rushs. C'est donc, j'ai oublié de le dire, donc la finale loser bracket. Celui qui remporte ce match peut encore continuer le tournoi. Celui qui perd finira à 3ème. Et donc le premier round est pour Max qui s'impose à nouveau. Donc, comme disait Wellman tout à l'heure, les clés de ce match-up, le TKB va être de faire des balles de jump kick pour casser un peu les tâches de boxeur.
Donc ça, on va devoir faire montre d'une défense impeccable. À part contre cette jambe ratée, un petit peu trop tôt. Moi, je vais être joueur. Athènes qui a une deuxième de conservation de charge. Et met la super en espèce de solo contrainte avec une plage garantie. Et un record pour. Allez, elle peut entrer sur ce saut vertical. Ça, c'est très beau, bon réflexe. La garde à bonne côté de la max. Il lève sa garde pour aller plus faire le feu de la chauffeur avec ce qui est. Bien joué, Lucan. On a bien jugé la facilité. Voilà. Oui, il aura sur un spell. Donc ça aurait dû un spell. C'est serré, petit avantage. Dommage, c'était bien joué avec tenter le pouce en super. Par contre, un gros avantage pour Athènes. Et une tâche low. Offre le premier match à Athènes. 1-0 Athènes. Va-t-il remonter l'intégralité des losers brackets pour tenter sa chance contre la cheville de Luigi? Le max va-t-il s'imposer à l'heure? J'ai trouvé très agressif là, Athènes, dans le match précédent. Il a joué en fait de façon très risquée, hein, ça a payé, mais il faut faire attention. Hein. Parce que là, tu vois, là, sur ce genre de passe, il a très bien réagi. Ouais. Il a très grand danger en fait, très souvent pour ça. Il a joué ce petit coup. Allez, bien joué, je suis pas magnifique. C'est ce jump, pour une petite chop. Ah, super, alors, pour côté boxeur, il va gaspiller un petit peu, c'est pas grave, il va essayer de la charger à nouveau. C'est la double balle de match ouais. Pour Abdel. Bien joué, un Dashlo qui punit un seul vertical F15, je crois. C'est Camille qui va faire le jeu, c'est très difficile. Oui, ce vertical HP qui casse le fort, c'est très joli. Dashlo, évidemment, je pense que Abdel va essayer de tomber beaucoup plus long. Là, il se fait bien, bien compressé. Et bien joué. Car Laura a super justement pour faire tomber des shots. Et le move punish est excellent. AMP, AMK. Et Max sur le premier balle de match. Oh là là, le cash low se fait arrêter par Hawkins, c'est étonnant ça. Allez, encore un set jump raté et un shot. Un petit peu raté. Ouais, le follow up est difficile après le shot. Le jeu va peut-être un petit peu un petit frère en garde. AMP, cash low. Une maîtrise dépressive de la tête. Qui a un peu de sport, c'est une magnifique cash over. Ça va être dur, ça c'est le jump évidemment. Décale légèrement sur AMP pour faire sortir le filtre pour toucher. Et là, j'ai pas envie de faire le là, là, super empreinte au réseau de la part de Flex. Et c'est fini. Félicitations à Athènes. Bravo à Athènes. Qui remporte 2-0 son match contre Max. Très beau tournoi, Athènes de Max aussi. Très beau tournoi. On félicite très fort Max qui finit 3ème aujourd'hui. Bravo. Et c'est donc la grande finale de ce tournoi entre Athènes. Abdel qui est très habitué à jouer Chamonix puisqu'il joue Zaki qui n'est pas là aujourd'hui, qui est certainement la meilleure chenille européenne. Et je dois dire qu'il s'est de retirer dans ce match-up. Il connaît vraiment quoi. Après peut-être les phases d'outils, il ne les connaît pas. C'est possible. Outils, c'est sûr, les boxeurs, on a affronté une tonne au Japon. Mais Abdel est vraiment assez élevé sur ce match-up. Donc ça va être plus vrai que le match. Je pense qu'il a ses chances en fait. Ouais, il a tout fait ses chances. Ouais. Donc c'est un match-up 6-4 contre Chenier. Un des rares match-up un petit peu négatif de boxeur. Et tout est possible. On change de côté, non, c'est ça. Donc il va se mettre le côté de l'erreur. Peu importe. Donc c'est toujours en deux gagnants. Parce qu'ils sont tous délits, évidemment. Une équipe n'a que deux matchs à gagner. Après, dans le 4, 2x2. C'est donc la même finale au niveau des personnages que l'année dernière. C'est ça. Et alors là, on passe aux acquis par Rocky. Et voilà, c'est ça. Allez, on applaudit très fort les deux joueurs. On encourage Athènes qui a toutes les chances. Mais qui va devoir cravacher dur contre la chevelure de Rocky. Pour l'instant, il démarre très bien. Premier round quasiment acquis. Allez, un petit sprinter. On a dit qu'il va essayer de chercher le stun pour revenir parce qu'on ne peut pas revenir à Fanatia, trop de retard. Et bien joué. Puni par Abdel. Premier round, assuré de retard. Il y a qui essaie de zoner au Bayamika parce que c'est très efficace pour faire les rushs en fait, de boxeur. Tout ce qui est Yamika en fait, c'est vraiment un challenge contre le boxeur. Il est marqué. Je suis bien installé dans le zone, mais ce n'est pas facile de retirer un boxeur. Il faut avoir un niveau. Je vais bien super, parce qu'ils ont pas mal de choses différentes, c'est un petit peu plus fort pour le tueur. Et évidemment, il chope en 23.
je peux en plus ce soir, c'est qu'il y a un tel choc anti-stel et pénitif. Bien joué, sauf petit pied, stel gros point qui coquette. C'est très très bon pour charger la barre. Il y a des mecs qui sont spammés régulièrement. Là, c'est un match à présentiel évidemment pour Chandy. Alors, les bons boxeurs peuvent justement les carotter et ils le font. Bien joué, les bêtes au milieu du plus moyen de la boule. Et effectivement, on a une bonne fois, c'est bien sûr. C'est bien, il faut bien charger pour les boxeurs. Hein. C'est pas tout à fait sans. L'équipe va bien rentrer, c'est un rassement de tout. On va essayer de charger sa barre assez rapidement d'un côté et de l'autre. Hein. Ça réduit drastiquement le match-up. Il y a aussi des possibilités en fait, de double hit pour boxeurs. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser de la vie de l'organe pour Charger. En fait, il y a des doubles touches qui sont bien pour charger dans ce match-up. Ah là là. Il y avait une superbe. Mais... Voilà, choc, ça passe tout, les gars. Et le kick qui revient, match partout, s'il remporte le match suivant, c'est fini, la victoire est à lui. Abdel a encore une chance, il a des sept de braquettes. Et Abdel, accroche-toi. Abdel qui a perdu en finale l'année dernière contre une Chahine, il est à vide de revanche. Qui peut être d'entrée. Ce qui lui fait une distance un peu dangereuse. Bien joué, ça va s'en charge sur ce split burn. Ça décale bien le côté de l'équipe. Good exchange. Oh, my brother, testify. Yeah.